Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va pas super parce que c'est la deuxième fois que je fais ce niveau. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai mis plus d'une heure à finir ce niveau. J'ai vraiment très galéré. Il est vraiment très très compliqué, je vous l'assure. C'est le chapitre 3 du coup. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Enfin bref, vous le verrez dans le titre. Donc j'ai vraiment très galéré. Et le problème c'est qu'au bout d'une heure je me suis rendu compte que ça enregistrait pas. Voilà. Donc rien n'a été enregistré, donc du coup je suis obligé de refaire le niveau et j'ai compris comment le faire, parce que voilà, au bout d'une heure, on comprend comment faire le petit niveau. Donc il est vraiment très dur, mais il peut être assez rapide, donc on va essayer d'un petit peu de le rusher, parce que faire une fois c'est cool, le faire deux fois c'est moins cool, le faire trois fois c'est encore moins cool, et puis du coup il est vraiment galère, je vous allez voir ça. Et du coup on se retrouve là où je vous ai laissé dans le chapitre 2. On entend des gens courir, normalement c'est pas grand chose, hein, vous inquiétez pas. Alors, la première fois que j'ai fait ce niveau, j'ai appris qu'il fallait tout brûler parce que là il se réveille vraiment, les gars. Vous allez voir. Hop, ça s'ouvre, c'est normal. C'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Merde. Donc là, je vous explique un peu le truc. Donc on est dans un endroit pas rassurant du tout. Il faut cramer ces cadavres. Parce que là, comme vous voyez, ils ont des sales gueules, ils vont se réveiller. Brûle. Toi, t'as pas brûlé. T'es mort? Ouais, tu bouges. Non, c'est bon, t'es mort. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Pour ramasser. Chut. Non. Je crois qu'il m'a vu. Comment refaire déjà, carré? J'aurais jamais dû faire ça, jamais. Le docteur. Qui est là? Non, ne tirez pas. Je ne suis pas comme eux. Je suis docteur Marcelo Jiménez. Vous étiez dans l'ambulance avant l'accident, c'est ça? Oui, on l'a échappé belle. Vous n'avez pas vu les autres? Seulement mon patient, Leslie. Je l'ai vu fuir par là, mais... Mais? Voyez par vous-même. Mais pas un bruit. Pas de soucis, monsieur. Voyez par vous-même. Ça fait deux fois que tu le dis. Ces choses... Elles m'ont poursuivi jusque dans le village. Moi aussi. Ah oui, il y a un zombie qui a un snipe, oui. C'est pas normal, ça. Leslie est passée par ce portail. Seigneur. Il y en a trop pour qu'on passe en force. L'un de nous pourrait tenter de les éloigner pendant que l'autre ouvre le portail. Vous êtes le seul à être armé. J'ai des doutes. Deux petites minutes, Vincent. Voilà, il suffit juste d'ouvrir ça pour... le faire passer. Normalement, s'il se dépêche. Pourquoi il se dépêche pas? Attends. Ah oui, tiens, ils sont là. C'est maudit piège. Voilà, on ouvre ça. Il y a une manivelle sur la terrasse. Oui, deux minutes, Vincent. Thomas, Marcelo. Vraiment, je pensais le mettre en muet, le pauvre. Alors. Normalement, si je dis pas de bêtises... En fait, on va pas aller là. Si, on va aller là. Allez. Par ici. Là. Hé hey, par ici. C'est ça, suivez-moi. Il va juste réussir à se faire tuer. Allez, viens là, mon bébé. Eh bien. Non, c'était pas prévu. Ah, salope. Là, je te préfère comme ça. C'est bien mieux. Grenade, ok, très bien. Par contre, j'ai pu... Ah, je joue ce niveau, il me rend pas bien. Alors là, je me... Je ne sens pas du tout au top de ma forme. On va se cacher là-dessous. Non, c'est conjoint. Ah, il y en a deux en plus, merde. Et maintenant, que vais-je faire? Une jolie. Une jolie facile. On tourne de l'autre côté, grand plaisir. Parfait. Non. Y'en
Vraiment, je me casse. Mort à 7-0, mais c'est une blague. Je suis un homme mort. Ah, je suis un homme mort, dommage. Allez, je vous dis, sur ce niveau, il me rend malade. On a détruit ça. Voilà. La doublette. Ah ben voilà. On voit pas là. Et voilà. Ça me met en angoisse, je vous jure les gars, c'est pas normal. Ils sont en bas, c'est con. Ok, tout va bien. C'est quoi ce truc? Comment vous avez fait pour l'ouvrir si vite? Ok, d'accord. Si vous voulez tenter votre chance, écoutez, on n'a pas de temps à perdre. Nous devons absolument trouver Leslie avant que quelque chose ne lui arrive. Ok, donc voilà, c'est le mec en haut. Mais là, je parais d'offné, j'en ai rien à foutre. Non, ouais, il est là-haut, le monsieur. Expérience numéro 4. Sujet numéro 4 à 13. Activité cérébrale réduite. Mais ça... On va juste prendre l'arbalète. Les sujets devraient commencer à ressentir une conscience commune. Les tests précédents ont montré une rapide détérioration de cette conscience. Leurs esprits sont devenus une masse informe, un amas de charognes mentales. Je dois me connecter moi-même pour ressentir la terreur qui les envahit avant qu'elle ne diminue. Il faut juste que je puisse exploser sa gueule à lui. Est-ce que je peux de là d'ailleurs? Parfait, il va se réveiller ce con. Voilà, ça va être mort. Non, pas encore. Ah là là, c'est bon. Alors, pour bien lui niquer sa gueule, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça direct, hein, l'arbalète, ça fait bien mal. Voilà. Ah, il veut pas nous ouvrir? S'il nous ouvre pas... On a des balles? Bah oui, on en a pas. Comment on charge? Merde, je me trompe tout le temps de touche, là. On est pas sur Ghost. Ça réveille pas. Merde. Je sais que le fusil à pompe, ça... Ça ouvre plutôt pas mal les portes. Allez. On rigole plus. J'ai pas peur, mon monsieur. Allez, on le défonce. Il est coriace. Ah, pas tant que ça en fait. Voilà, quand on est bien préparé, ça marche comme sur des roulettes. Ok, donc là on va ouvrir le coffre. Non, c'est mon cinématique. Voilà, la mission était vraiment assez rapide. C'était juste galère à... bonjour petit homme. Enfin bref, c'était juste un peu galère de chercher ça pourrait être utile. À tous les ennemis. Ça devait vraiment faire gaffe. On récupère la tronçonneuse. Voilà. Donc c'est vraiment la deuxième fois que je passe dessus. Donc en tout, ça fait plus d'une heure et demie que j'ai passé sur ce niveau. Enfin, vraiment la galère. Et voilà quoi. C'était, au final, c'était assez simple. Il suffit juste de faire très attention, d'être très très prudent. Et on finissait la mission assez rapidement. Voilà, je coupe un petit peu ce petit fil là, cette petite tronçonneuse. Voilà, parfait. C'est dans la boîte. Attendez! Par ici! Attendez, officier. Ne me laissez pas derrière. C'est inspecteur Castellanos. Leslie ne doit pas être loin.
Il faut absolument qu'on le retrouve. Bon bah voilà, de nouveau la fin du chapitre 3, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et on se trouve très vite pour le quatrième épisode, donc le chapitre 4 en entier, dans 2 jours. Donc voilà, j'espère que cette série vous plaît, ce let's play vous plaît, et on se dit à très vite, à très bientôt. Allez, ciao. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, tu peux t'abonner en cliquant ici, et si tu cliques ici, tu seras directement informé des nouvelles vidéos. Et tu peux aussi liker et partager. Bon, allez, moi, faut que je bouge. Ciao.